Au Nigeria, le vote perturbé par des problèmes techniques se poursuit ce dimanche dans environ 300 bureaux de vote. Pendant ce temps, d'autres bureaux de vote ont pu procéder au dépouillement. Toujours au sujet des élections au Nigeria, les dizaines de milliers de Nigérians réfugiés au Tchad n'ont pas pu prendre part aux élections. Elles avaient fui les attaques de Boko Haram. Enfin, dans la nuit de samedi à ce dimanche, l'Europe est passée à l'heure d'été. Chacun a avancé sa montre d'une heure. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria où le vote se poursuit. Les quelques 68,8 millions d'électeurs étaient aux urnes depuis hier pour élire le président, les 109 sénateurs et les 360 représentants du pays. Malgré un vote perturbé par les problèmes techniques qui ont entraîné le report des élections à ce dimanche dans 300 bureaux de vote, d'autres bureaux de vote ont pu procéder au dépouillement. Les détails dans ce reportage. Les électeurs de quelques 300 bureaux de vote au Nigeria se rendent à nouveau aux urnes ce dimanche. D'après la commission électorale indépendante INEC, le vote a été suspendu dans ces 300 bureaux de vote qui devaient rouvrir ce dimanche à 7h GMT. Mais cette fois-ci, les lecteurs biométriques seront rangés pour revenir à des méthodes d'identification manuelle classiques. Malgré un vote perturbé par des problèmes techniques qui ont entraîné le report des opérations à ce dimanche, dans d'autres bureaux de vote, le dépouillement a été effectué. PDP, APC. PDP, PDP, APC, PDP. Ce dimanche, un important dispositif de sécurité devrait être à nouveau déployé dès l'aube sur tout le territoire, le Nigérian craignant à la fois de nouveaux attentats islamistes et des violences politiques. En effet, Boko Haram est soupçonné d'avoir mené hier plusieurs attaques meurtrières contre les bureaux de vote et des élus locaux. Selon l'INEC, les résultats des scrutins seront annoncés dans les 48 heures suivant la fermeture des derniers bureaux de vote, des délais qui pourraient être revus à la hausse au vu des récents cafouillages. Toujours au sujet de ce scrutin, si au Nigeria, les populations ont pu se rendre aux urnes pour ces élections, des dizaines de milliers de Nigérians réfugiés au Tchad n'ont pas pu prendre part aux élections. Elles avaient quitté le pays pour fuir les attaques incessantes de Boko Haram. Reportage. Ils sont des dizaines de milliers de Nigérians réfugiés au Tchad à ne pas prendre part aux élections législatives et présidentielles. Certains d'entre eux disposent de leur carte d'électeur, mais elle ne leur servira à rien puisqu'ils n'iront pas aux urnes. Fuyant les attaques incessantes du groupe islamiste armé Boko Haram, la majorité de ces réfugiés disent vouloir en finir avec le pouvoir sudiste, estimant qu'il les a abandonnés à leur sort dans le nord-est longtemps marginalisé et très pauvre du Nigeria. Ces personnes déplacées disent avoir toujours voté jusqu'à ce que l'insurrection islamiste fasse voler leur vie en éclats. La plupart de ces réfugiés ayant gagné le Tchad sont installés dans un grand camp de réfugiés qui reçoit de l'aide humanitaire internationale. Mais là encore, le ressentiment est amer envers les autorités nigérianes. Les réfugiés disent ne recevoir aucune aide de l'ambassade du Nigeria. Leur survie, ils la doivent aux gendarmes tchadiens qui leur apportent de l'aide. Toujours au Nigeria, le système éducatif au nord de ce pays est à terre. Les experts préconisent que le gouvernement prenne au plus vite des mesures d'urgence pour empêcher toute génération privée d'une bonne éducation. Le constat est fait ici par notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa. Au Nigeria, les enfants travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille. Plus de 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école dans ce pays. Le chiffre le plus élevé d'ailleurs au monde, selon les Nations Unies. Beaucoup d'enfants du nord du pays, à majorité musulmane, n'ont pas le choix. Les écoles ont été fermées ou détruites au cours des 6 dernières années de combats entre l'armée nigériane et le groupe islamiste armé Boko Haram. Beaucoup de parents qui ont les moyens ont préféré envoyer leur progéniture dans les écoles des pays voisins comme le Bénin, le Niger ou le Togo. Pour le cas du Bénin, pays qui partage une frontière poreuse avec le Nigeria, le cadre est favorable et beaucoup d'étudiants continuent d'y arriver. Le chancelier et professeur Octave Houdegwe de Houdegwe North American University, université privée au Bénin.
Dans ces années 2000, où il y avait très peu d'universités privées, le Nigérien, l'étudiant nigérien, c'est-à-dire pas l'élève nigérien qui avait son baccalauréat, avait beaucoup de difficultés d'être admis dans les universités nigériennes. Au Niger, c'est plutôt la méfiance qui a pris place. Le professeur Aboki. Au Niger, il y a un brassage de peuple. Il y a des fonctionnaires internationaux, des gens qui travaillent dans des structures, donc ils sont avec leurs enfants ici. Et je suis sollicité par ces personnes ressources qui envoient leurs enfants dans mon école pour le travail qui se fait. Le gouvernement doit au plus vite prendre des mesures d'urgence pour empêcher toute une génération d'être privée d'éducation, mettent en garde les experts. Sur les 1357 écoles primaires de Borno, pour 495 000 élèves, seulement 400 ont réouvert, affirme M. Donguel. Boko Haram, dont le nom signifie l'éducation occidentale, est un péché, farouchement opposé à l'éducation laïque, a multiplié les attaques contre les écoles, les élèves et les enseignants. Dans le nord-est du Nigeria, 52,4% des hommes et des garçons de plus de 6 ans n'ont jamais été à l'école. Selon un récent rapport d'une ONG nigériane, l'Africa Health Human and Social Development Information Service, ce chiffre grimpe à 61,1% pour les filles. Des efforts sont faits dans le nord pour relancer l'éducation avec un système d'enseignement mixte alliant un enseignement coranique à des matières occidentales. Par exemple, les autorités de l'État de Borno encouragent les élèves à être assidus en leur fournissant gratuitement des uniformes et un repas par jour. Le gouvernement et ses partenaires internationaux essaient en particulier d'améliorer l'assiduité des filles, car 60% d'entre elles ne vont pas à l'école dans le Nord. Rendons-nous à présent au Togo. L'élection présidentielle, initialement prévue pour le 15 avril, a été reportée au 25 avril prochain. Réunie en Conseil des ministres ce vendredi à Accra, dans le nord du pays, le gouvernement togolais a officialisé cette décision. Ce report intervient au lendemain de la visite au Togo du président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, qui, au cours de son séjour, a rencontré les différents candidats à l'élection présidentielle togolaise. Mais que pensent les Togolais de ce report? Voici leur réaction. Pour le moment, j'ai appris que la CEDEAO et comment l'appelle-t-on, le président ghanéen, ils sont venus pour rencontrer les leaders de, c'est-à-dire ceux qui vont à l'élection. Donc c'est eux, bon, après leur rencontre, ils ont vu que bon, ça ne peut pas se passer tant qu'ils n'ont pas, il y a encore des choses à revoir. Donc c'est pourquoi ils ont reporté l'élection. Bon, je suis content pour qu'ils puissent voir les choses, pour que les choses aillent dans les normes avant les élections. C'est à cause des revendications et des organisations internationales et des sociétés civiles. C'est pour voir un peu la transparence qui a fait qu'ils veulent que les choses soient, le fichier électoral, qu'ils ont demandé une audite par rapport à ce fichier. Peut-être dans les 10 jours, ce fichier serait, les experts vont faire des études par rapport à ce fichier. C'est normal, puisque étant donné que le président de la CEDEAO, c'est le président du Ghana qui a demandé à ce qu'on reporte ça sur le 25 avril plutôt, pour qu'on puisse corriger certaines choses. Bon, ça me plaît beaucoup, c'est normal. Et les résultats sont vrais résultats. Que celui qui va gagner là n'a qu'à nous donner la paix dans ce pays-là. Nous voulons de la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons pas la guerre. Nous voulons la paix. Au pays du Togo, là, nous voulons la paix. La Sierra Leone, à présent, les populations vivent à nouveau au rythme d'une opération de confinement, une mesure radicale décrétée par le gouvernement de ce pays afin de maîtriser une recrudescence localisée des cas d'Ebola. Reportage. Pour la deuxième fois en 6 mois, les Sierra Leonais sont momentanément privés de leur droit de circuler librement, à l'exception des personnels de santé et des personnes détenant des autorisations spéciales. Les quelques 6 millions d'habitants du pays sont contraints de rester chez eux. Un nouvel isolement décidé suite à une recrudescence des cas d'Ebola dans certaines zones du pays. Les gens vont rester à la maison et attendre que nos équipes viennent les voir. Des gens intéressants passeront chez eux pour délivrer le message qui dit que nous avons toujours Ebola chez nous, que nous devons travailler dur et qu'en optant pour le confinement, nous avons bien agi en tant que nation.
Je pense que la démarche pourra porter de fruits. Pour les autorités, il urge de prendre déjà le taureau par les cornes. Autrement, ces nouveaux cas risquent de compromettre le reflux général noté depuis décembre 2014 et par là même la réouverture des écoles prévue pour le 14 avril après 8 mois de fermeture. À ce jour, il n'y a ni traitement ni vaccin autorisé contre Ebola. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a donné le feu vert pour accélérer les essais cliniques de vaccins candidats prometteurs pour endiguer l'épidémie. L'Égypte accueille depuis ce samedi le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Ce sommet essentiellement consacré à la création d'une force multinationale a lieu au moment où l'intervention militaire d'une coalition arabe au Yémen contre une rébellion chiite est perçue comme un coup d'essai de ce projet. L'intervention militaire de la coalition des pays emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen ne prendra fin que lorsque les miliciens chiites houthis auront déposé les armes et se seront retirés des territoires qu'ils occupent. C'est la décision prise ce dimanche par les chefs d'État de la Ligue arabe en Égypte, donc au deuxième et dernier jour de ce sommet. Ceux-ci doivent adopter une résolution en vue de créer une force conjointe destinée à combattre les groupes terroristes dans la région. Parlons à présent du temps qu'il fait en Europe. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, nous sommes passés à l'heure d'été. À chacun d'avancer sa montre d'une heure de temps. Mais comment cela se fait-il pour les horloges publiques? Reportage à Cergy, en région parisienne, où se trouve l'une des plus grandes horloges d'Europe. Remettre les pendules à l'heure, c'est le métier d'Olivier d'Allongeville. Deux fois par an, il vient à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue parisienne, pour vérifier que les mécanismes de ces horloges fonctionnent avant le changement d'heure. On fait les niveaux des moteurs qui permettent de faire tourner les aiguilles, et on graisse également les axes de la minuterie qui font tourner les aiguilles aussi. Comme pour la plupart des horloges publiques, le passage à l'heure d'été se fera à distance, électroniquement, dans la nuit de samedi à dimanche. À l'époque de leur fabrication, en 85, les horloges jumelles de Cergy étaient les plus grandes d'Europe. Elles sont géantes, elles font 10 mètres de diamètre chacune, c'est-à-dire pas loin de 2 fois Big Ben, un peu la référence que tout le monde connaît. Et en plus, il y a une trotteuse, donc une aiguille des secondes qui ne s'arrête jamais de tourner. Une trotteuse qui, en 30 ans, a parcouru plus de 400 000 km, soit plus que la distance de la Terre à la Lune. Depuis, à peine une panne au compteur, le vent étant l'ennemi numéro un de l'horloge. C'est un peu comme une aile d'avion, ça prend le vent et en fait on ne se rend pas compte, mais ça fait des efforts considérables que le mécanisme doit supporter. Si tout va bien, dimanche, à Cergy comme dans toute l'Europe, à 2h du matin, il sera 3h. Ce sera tout pour cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information sur SICA, ce sera exactement dans 15 minutes. Mais d'ici à là, portez-vous bien.